Salut et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorfang pour un nouveau let's play sur Rebel Galaxy avec une bande son. Aïe aïe aïe, ça c'est Blue Saraceno pour ceux qui connaissent pas. C'est une tuerie. Oh là là là. C'est fou. 6 days ago, you received a cryptic message from your aunt Juno, the family black sheep who you haven't seen or heard from in over 10 years. The message provided the access codes to the Rasputin, a near derelict spacecraft and a relic of her younger days. Also included were the coordinates to Rust City, an out of the way space station with a questionable reputation. She practically begged you to meet her there as quickly as possible. Now, after several days of travel and a few unscheduled maintenance stops, you have at last arrived. This is a place of liars, thieves. You wonder how you let yourself get dragged to such a godforsaken backwater. Ok, pour faire simple, pour ceux qui éventuellement n'auraient pas compris, nous avons notre tante ou quelqu'un comme ça. Oh, 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 on se calme. Un instant. Donc, on a une tante qui nous envoie 6 jours plus tôt, là, par rapport à cet instant-là. Les codes d'un vaisseau qui s'appelle le Rasputin, qui est une relique légendaire du monde... Alors... Tu me coupes plus jamais la parole, saleté de PNJ. Merci. Tu vas attendre un instant après la pub sonore, hein. T'es gentil. Donc, ce petit côté déjà Star Wars, hein, en termes d'habillage, que j'aime bien. Enfin... Avec une ambiance très Space Cowboy, j'aime beaucoup. Un jeu que je voulais vraiment faire avec vous. Pour reprendre donc ce scénario, on l'a laissé. Donc on se dirige du coup vers une base spatiale qui est, semblerait-il, la sienne ou un truc comme ça. Qui est dans un secteur, mais vraiment dangereux quoi. On est... c'est le débris, c'est la mort. Et donc on arrive vers la fameuse base où elle nous a dit de la rejoindre. Et en arrivant, on est contacté. Par ce type. Alors il me dit, ah c'est vous. On m'avait dit de garder un oeil sur vous. As you find her old ship. Lui que vous avez trouvé son ancien vaisseau. Ok, mettez vos fesses au dock et ramenez-vous au bar. Voilà, ou vice versa. You have something for you. J'ai quelque chose pour vous. Ok. Qui es-tu? Il s'appelle Orzu. Ok, et il connaît. C'est un vieil ami de notre. J'ai plus son nom. Junto ou Jun. Ouais, Junto, ouais. De... Enfin, ouais, de... du tiers ce personnage de notre famille qui nous rappelle. Donc ça fait un long moment qu'ils se connaissent. Ok. Ok, alors là, les touches. Alors moi, il va falloir que je les note parce que le problème, c'est que ça a été conçu de base pour des azertis. Des QWERTY. Hein? Pour des QWERTY. Et le souci, c'est que bah, moi, je suis raciste et je suis en azerti, ok. Voilà. Alors, les moves. Parce que je vais tout noter, hein. T'as tous les moves, toutes les touches, hein. Je veux pas le savoir, sinon je m'en rappellerai jamais. Pour la vitesse. Increase and Q to reduce it. Vitesse plus, Q, vitesse moins. Ok, c'est aussi toutes les actions, en gros, hein. Les actions, c'est sur E aussi, hein, c'est l'équivalent du 1. J'ai vu qu'il y avait des gens d'ailleurs qui jouaient par à la manette et je sais pas pourquoi, moi c'est pas pris. Le jeu ne m'aime pas. Tu joues ma manette, non, tu réagis pas. Ok, no call, no appel. Et à aider tout, donc ok, aider pour les directions. Oh, ce petit son. Allez, posez-vous, sortez-vous le petit café, la petite clope, si vous fumez pas, écoutez, réglez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, posez-vous au calme. On va gentiment buter les avions de l'espace. Ça va être cool. Ok. Et je maintiens E pour le doc, tout
les actions normales. Ok, il n'y avait pas plus. Ok, c'est cool. Right. Et si vous n'avez pas compris, ok, c'est cool. Donc mon ami. Ah ouais, il y a le boost aussi, tiens, j'aurais pu le noter maintenant. On y est là un peu à ton machin, non? Tu crois pas Non, je veux dire, plus près, je suis dedans, quoi. Ah non, non. Ah non, j'ai de la marge. Ah non, excusez-moi. Vas-y, rentre là-dedans. Ok, de toute façon, on a de la marge. Ok, c'est cool. Ok. Bio-Tourette. Le Rasputin, c'est de Tourette. Non, 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 c'est nous, le Rasputin. Et c'est nous, le Rasputin. Marqué en haut à gauche. Ok. Not only one tourette installed at present. J'ai deux emplacements pour des tourelles et j'en ai qu'une de posée pour l'instant. C'est très bien. Et tu veux que j'aille en acheter? C'est mort, je suis radin, salut. J'ai pas le temps, j'ai pas d'argent. De rencontrer Orzu. Mando Cambiso Juno. Sando Copaldo. Ok, Juno, voilà, c'est Juno. Ah, je suis la copie de Juno, visiblement. Zango no battle, j'endovo pondo zando bola. Ok, donc il sait pas du tout où est-ce qu'elle est, mais il l'a vu il y a encore il y a une semaine. She was afraid, elle était effrayée. Get back before you arrive. À l'idée de ton arrivée ou un truc comme ça, résume. Quando vas entendre, j'endovo cal prendo zavara. Yolf, je sais pas ce que ça veut dire, je suis désolé. She gave me something to give you an herb, Yolf. Ok, le fait. Et t'as dit qu'elle m'avait confié quelque chose en somme, je comprends là, je comprends ça. She have done so if she was expecting to be present. Et il ignore où est-ce qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui. Mais peut-être que. Elle a appelé un spectre. It's proper name. I mentioned that she's some sort of whatever that means. Parle d'une IA. Ah oui, il me file une IA, c'est ça. Yando Bojanda. Dando Rasputin. Ando Zopai. Ramkon Bojara. Zazabonda. Ok. Ok, donc il est en train de juger mon Rasputin, il dit mais t'es sérieux, c'est un vaisseau ça? Je n'ai pas de déflecteur, je n'ai pas de rayon tracteur, donc le tractor beam. Je vais utiliser du coup beaucoup de mots anglais, je suis désolé. That's hull plating, donc on n'a pas de blindage. Enfin, notre blindage c'est du papier. And to be frank, et pour être franc, tes armes, ton système d'armement, c'est pratiquement un jouet. C'est pratiquement des jouets pour enfants. Sans offense. Ok, une suggestion. Peux me filer une upgrade ou deux. Une amélioration ou deux. Ouais, Juno ne lui pardonnerait pas s'il ne m'aidait pas, mais ça va pas être gratuit, inévitablement. Il me les faut et ça va pas être gratis. Il veut qu'on fasse un échange. Hey, du whisky! Tu me parles bien, toi, l'extraterrestre. T'as presque un accent russe, mec. Ah, t'as un langage trop russe, il te manque plus que l'accent qui va avec. Et ça serait parfait. Ok. En gros, il veut que j'aille lui chercher une cargaison de Sky. Et il me donne 500 balles pour payer le type. Je prends le Sky et je reviens. Ok. Moi, pas de soucis. Tac, tac. Buzzboard. C'est Buzzboard. Ok. Un mercenaire, non. Yves Lebert. Mon shipyard. Commodities. Alors le shipyard. C'est tout mon matos ça. Ah non, non, c'est les vaisseaux, ok. C'est les vaisseaux.
On les verra plus tard, ne paniquons pas. Pour faire exit, ok, c'est échappe, pas de soucis, j'aurais pas fait. C'est dommage, je peux pas relocaliser les touches, ça c'est, ça me stresse un peu. Commodity Market, donc là on peut acheter tout notre matos. Je ne vais rien acheter parce que je suis une pince. Pas de raison. Hop. Non, on avait dit que non. Mission board. Émission. Ah bah voilà, ça c'est bien ça. J'accepte. 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 Pas. Ah, on est au max, visiblement. Mission de log. Ok. On va aller chercher son Sky à Jean-Robert. Les Bart Station. Allez, go. Bon, le petit son est assez fou. Donc, on a un menu radiant qui est sur contrôle. Alors, attendez, je note en même temps, en fait. Je vous laisse profiter de The Evil Ways. Je sais pas s'ils ont mis les paroles avec, d'ailleurs. Contrôle, c'est le menu radiant, on avait dit. Ok, menu radiant. Ok. Ok, pour tirer, tout ça, ok, c'est cool. Le menu radio, mon ami. Pulse. Alors, le pulse, c'est le scanner. Y'a rien à péter dans le coin. Ok, cool. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est... sur la map. Stellar map. Échange. Ok, c'est par là. On est au maximum. C'est cool. Cube, donc pour descendre, on a dit... W, c'est l'accélération de boost. Attends, je suis dans le bon sens de la mission. Ok, il faut rester appuyé pour... Ok, ça c'était la gravité de la planète, ça pouvait être un peu dangereux. Ok, je peux faire un petit saut warp. Allez, go. Un petit saut warp. Ce qui est bien avec ce type de musique, c'est que ça se cale toujours bien. Toujours, nickel. Oh. Sors du warp. On va repérer un truc. Oh, arrête ton truc. Exit-toi. Je t'avais pas totalement arrêté. Et arrête. Pas me laisser map s'il te plaît. Ouais. On ira le voir sur le retour. D'abord aller chercher son Sky à Junior là. Incroyable d'avoir fait un jeu spatial avec une telle bande son, c'est génial. C'est génial. D'accord, pour scanner, machin, etc. Ok, on s'en fiche. Attends, quoi que on s'en fiche peut-être pas. Tu voulais que je scanne visiblement. Ah, il est là-bas. Je peux te contacter, l'ami? Hey there. Ours who send you? Ouais, c'est moi qui ai le paiement, tout à fait, mon ami. Ok, bah, il n'y a plus qu'à retourner à la station. C'était dur comme mission. Mission, en même temps, mission d'introduction. Heureusement, on nous sert par du hardcore. Je peux sélectionner ça comme cible. Merci. On devrait aller dessus. Oh, ouais, engage le warp là-dessus.
Ça va un peu vite, hein. Je suis peut-être un peu loin, on peut essayer de se rapprocher un petit peu encore. Il y a beaucoup de cailloux, on va faire 100. On va faire 100. Il y a déjà masse de caillasses. Fire en brawl ça LMB, ok, LMB souris quoi. Ok, d'accord, je me sers de la souris. Flûte. Je ne sais plus comment on réduit la vitesse du coup. Voilà. L'autre il est parti dans l'espace ou quoi? T'as besoin d'aide? Ok, d'accord, c'est possible. Hein. Là, c'est possible. Oh, mais hey, vous êtes trop chiant. Vous voulez trop de manière inconsidérée, mes amis. Cargo. Alors, attends. Ça, c'est vachement important. Ah, mais ce son m'empêche de me concentrer. Je peux pas lire là, c'est compliqué. Alors, quelques erreurs de cargo en Russell, c'est le fin de Rift. J'ai rien compris, c'est cool. Mais tu. Le tractor beam, ah ouais, j'ai besoin du tractor beam, bien sûr, j'ai besoin du rayon tractor, évidemment, et bien qu'il ait une fonction ce truc. Arrête d'esquiver toi petit homme, prends tes tirs là. Ah, vous êtes costaud. C'est chaud les rapaces là. On détire un peu là ou... Ok, ça se lock quand même dessus un peu. Ok, my bad, hein. Sorry, mais tu vas pas vivre longtemps. Ah, y'a plus de bouclier là. Ça a l'air d'être critique pour toi, mon ami. Allez, le dernier shot. Allez, petit. Ok, qu'est-ce que je dois prendre? Oh, calme-toi. Custom, oui. Moi, je prends ça. Ah, me dis pas que c'est mort parce que je n'ai pas le track en bim. Ah non, ça c'est le... D'accord, c'est le point, c'est le... Cargo. Ah, c'est le mec au whisky, ça. Cargo, oui, le whisky. Ah, mais j'ai pas de... Ah, j'ai pas le tractor bimoïde, je peux pas le récupérer. Faudra que je fasse demi-tour. Ok, on fera demi-tour, pas de soucis. Hein. Ah, excusez-moi, c'est pas encore pris en main, c'est... Ah, je suis pas encore trop rodé. Bon, on devrait être bon, on devrait pouvoir passer, là. Hop, passe-moi en warp. Ok, go. Arrête-toi. Quoique, non, j'aurais pu continuer comme ça. C'est vrai qu'on peut se diriger dans le warp en même temps. Alors, un jeu réalisé par double damage, vous savez, pas double fine. Ok. On peut tous quand même. Envie de poroter non plus. Ouais, ça ils réduisent la vitesse eux-mêmes quand vous arrivez trop près de la station. Parce qu'ils vous laissent le temps d'appuyer et tout, de tout faire. Ok, grand. Excellent. Mille merci. Tu as deux options, le déflecteur ou le tractor beam. Hop là, voilà, ça c'est fait. Ok. Mando kobo shei, yondo kokwinkoupa.
Ok, il me demande une autre faveur, il me demande de... Demande de détruire, de faire un autre échange, d'accord. Il a des conteneurs à lui qui traînent au milieu de nulle part, mais qui pourraient intéresser certaines personnes. Qu'il ne faudrait pas visiblement. Donc, ouais, c'est ça, détruire les conteneurs. Ok, merci, ça roule mon lapin. Juste pour savoir, hein. T'es amoché mon bignoul, hein. Est-ce que je vois si je suis amoché ou pas? Visiblement, ça roule pour moi. Et bah go, hein, je vais conserver mon matos tout pourri. Et je voudrais me rendre sur le custom waypoint là, lui là. Non, ah, mais oui, mais non, c'est du QWERTY. Oh là, je vais peut-être y arriver un jour. C'est pas garanti. Hein. Ça devrait pouvoir le faire. Bim, allez hop, on passe en war. On se cassos. Bim, allez. On arrive un peu vite. Ah, le cargo il est là. Ralenti, on est juste à côté. Allez, parfait. Alors, hey, du coup, minéral ressources, on peut récupérer genre les. Ouais, non, je vas-y, mets un peu de place quand même. Ouais, sœur papa, t'es gentil. Remets-moi le. Machin. En 40, faut que j'avance encore, t'es relou aussi. Tu me dis que je vais collisionner le machin. Je vais rien collisionner du tout. Oh, ça se passe tout seul. Non, tu vois, ça se passe tout seul. C'est où mon minéral machin là? Ah, c'est au milieu. Là, je ne peux pas looter cela. Minéral ressource. Minéral ressource. Ok, on ne peut rien récupérer d'autre. Ok. La carte, mon lapin. Il me faut la map. Alors, Tech Boom, Cider Post, ok. Je pense qu'on va juste rentrer gentiment, mais sûrement QG. Ah, il y a ça sur le chemin, visiblement, pas très loin. Ok, mais on va se tester ce machin là. Il est où là? Où est-ce que je l'ai loqué? Hop là. Mission. Loqué, ah oui, non, c'est derrière. Fais-moi le tour de ce machin là, si tu veux bien. Alors on se traîne un peu, hein. On est une tortue au départ, hein. C'est pas... Même la musique elle a arrêté de s'exciter, là, en fait c'est rien du tout. Le mec il avance pas. Le type c'est une catastrophe. Plutôt sur celui-là, voilà. Faudrait que tu mettes plutôt sur celui-là, merci. Engage le war. Ah oui, c'est des ressources à gratter. Ah mais je suis parti trop loin.
Rejoins-moi là-dessus. Oh, on est déjà plus près. Ah, mais il se déplace! Il se déplace comme machin! Ça s'éloigne de moi? Je peux combattre en warp ou pas? Je peux pas combattre en warp. Ah, c'est une milice qui se déplace, ok. Ok, elles sont tombées, c'est censé être plus ou moins des alliés. Ok, on va pas toucher à ça. Donc, au moins on l'aura vu, on l'aura trouvé mignon, c'était cool. Ah, rien dans les environs, évidemment. Bon, ok. On va pas chipoter pendant 10 ans. Hein ? Excusez-moi, c'est un peu la découverte, hein, toujours, forcément. Le QG le plus proche, je ne repère plus rien. J'ai tout validé, résultat, c'est le bazar, je ne vois plus rien. C'est parfait. Closet mission, clear waypoint. Si, hop. Et closet station. Ah, c'est là. Et merci. J'avais un but. Ah oui, vous voulez qu'on détruise ces caisses? Oh, on peut les faire. C'est où? C'est à 1500. Oh, c'est quand même pas à côté son machin. Bon, on y va, hein. Écoutez, on y est. On y go. J'adore les effets graphiques. Le jeu est vraiment très beau, très agréable. Et le son, vous voyez, n'est pas encombrant. Il est là, il est péchu quand il est là, mais vous voyez, par exemple, là, on n'en a pas parce qu'il ne se passe rien. Donc on est calme, tranquille. Ça se passe. Ah, un autre cargo. Bah oui. Ah oui, des cargos. Est-ce que c'est ce que je dois détruire? Voilà, je suis un dingue, moi je détruis des cargos. Qu'est-ce que c'était que ça? Il y avait un cargo, il était là et puis il a disparu. Ah non, il y avait une autre cargaison en zone whisky dans l'espace, quoi. Les mecs, vous laissez traîner du sky dans l'espace. Ah, vous méritez pas de vivre. Franchement, vous méritez même pas de vivre. T'as vu ce bazar de feu? Alors, non, c'est parfait, hein. Je vise comme rien du tout. Ben voilà. Comment ça, ennemi? Y'a pas d'ennemi. Qu'est-ce que c'est, les ennemis? T'es sûr que tu veux te la friter là? Hop. De quoi? Ah oui, tu veux que je switch entre mes armes? Ouais, j'avais vu ça une fois en fait. Bon, je peux prendre le contrôle de la tourelle qui est au-dessus. Ça permet de tirer les petits chasseurs qui eux volent. Si vous voyez, on est toujours bloqué sur le même plan. Eux, ils volent sur deux plans. C'est la zone de l'espace après tout, il n'y a pas de raison. Allez. Mais Fumis, tu vas sortir de ton machin là? Bon, papa. Allez. Toucher de là où on est ou... Ouais, je devrais changer de flanc parce que là j'expose toujours le même flanc depuis tout à l'heure. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah, il met la pilule. Il fuit.
Lâche-moi tes propulseurs, petit homme. Oh, j'arrive pas à le tomber, hein. Il a un flanc qui a pris un peu, là, mais... ça suffit pas, hein. Je m'acharne un peu sur son flanc. On voit en fait ses boucliers et l'état de sa structure sur la cible qui est devant nous en fait. Sur la cible en fait qui est à côté de lui, vous voyez. On voit les flancs sur lesquels mon canon automatique touche, etc. en fait. Moi je veux justement son autre flanc, pas celui du nain, l'autre. Monsieur Palpavan, le tribord. Voilà. C'est son tribord qu'il me faut. Ah, un petit gasoil. Mais tant pis, hein, s'il faut que j'entame l'autre, j'entamerai l'autre. Hein. Pas comme ça, moi. Oh. Ça passe à côté. T'envoies du pâté un peu, mon lapin, hein. Ah, 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 t'as l'air de couiner. Ah, t'as l'air de couiner. Je vais insister un petit peu, veux-tu? J'essaie de garder une cadence soutenue. Mais en même temps, faut que je le touche et que je le coule. Allez, fais voir comment tu tires un peu. Ah oui, c'est vrai. Tu ne le fais pas. Ah, ah, ta pète. Et j'ai un cargo là-bas. Ok, parfait. Oh là là, je ramasse du cargo de bon matin. Oh, t'as fini en miettes. Oh. C'est cool. Un peu de pression comme ça. Bon, vous avez moins de pression si vous achetez Y, le... Ah, de la bouffe. Du yik-yak mythe. Lol. Oh ouais, c'est ça, ouais. On en parle. Je la veux, moi, la collision, y'a pas de soucis. Maison. Collision warning. Quoi, collision warning? Collision, rien du tout. Oui ou... Ok, carte, parce que j'ai perdu la carte. Map, s'il te plaît. Et je veux retourner maison. Moi, je veux retourner maison. Primaire émission. Ah bah oui, bah c'est primaire émission. Maison. Maison, c'est primaire émission. Hop là. Ok, et bah go. Bon, je suis dessus à peu près, ouais. Et go. En scanner, à première vue, c'est aussi tab en fait le raccourci. Il faudra que je vais tester ça. Je viens de le voir se marquer en haut à gauche. Okay. Petite ambiance terrible ce jeu, terrible. Oh là là. C'est le scanner machin. Il y a un truc sur table. Ça avait pas trop l'air d'être ça. Ah, c'est plutôt par là, oui. Bah, c'est vrai que je peux toucher, je peux diriger à chaque fois. Je joue. Et alors, si je te warp dans la figure, comment ça se passe? Ok, j'ai préféré sortir avant quand même. J'ai pas envie de protester. Non, on peut attaquer la base aussi. Tiens, c'est marrant ça. Allez, on va lui rendre sa petite quête, on va lui rendre son. Enfin, voilà. Lui demander des thunes. Manfoto Shenda and the Jundo Jui. Eh, pas de soucis, mec. Alors, si je veux trouver Juno, je pense que le plus simple c'est qu'il ait vu, donc. C'est que j'aille parler à un Sandar. Son partner. Ah, est-ce que je connais ses activités? Ouais, donc moi je réponds que c'est un marchand, etc. Et lui il me dit, oui, c'est une façon de voir les choses. On dort, déplacer les marchandises pour ok, pour Juno, ça marche. Ok. Ok, c'est cool. Bartender.
Donc, tu ne sers à rien, salut mon ami. Ok, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'était Knarfang, c'était sur Comme d'habitude Gaming, et c'était Rebelle Galaxy. Si ça vous tente, si vous voulez en voir plus, si vous voulez plus de sons, plus de combats spatiaux, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, partagez la vidéo, et si vous en voulez plus, j'en referai plus, toujours plus. C'était Knarfang sur Comme d'habitude Gaming, je vous dis à la prochaine, ciao.